Salut les gars, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire quoi? Eh bien on va ouvrir nos récompenses Division Rivals et Fut Champion dans cette même vidéo. Alors les amis, on va tout de suite ouvrir les récompenses Division Rivals pour commencer évidemment. Alors je vais vous expliquer vite fait mon score, voilà, j'ai pas envie de prendre trop de temps parce que c'est vrai que je parle beaucoup à chaque fois au début des vidéos, c'est assez long. Donc j'ai fini rang 3 de la Division 2, voilà, je suis en D2 depuis la semaine dernière. Donc du coup je suis éligible aux récompenses D2 et donc j'ai les récompenses de rang 3 parce que j'ai pas beaucoup joué ce week-end, j'ai juste fait Fut Champion. Et ensuite on ouvrira donc les récompenses Fut Champion, je vous expliquerai tout ça après. Au niveau juste des joueurs disponible dans les packs, on a une petite team of the week, on va aller vite fait voir parce que c'est vrai que je m'en rappelle plus. On va juste regarder vite fait les joueurs intéressants, c'est vrai. Donc il y a Semedo qui peut être sympa, il y a du Gomez, il y a du Plea, Immobile, Dybala, c'est vraiment sympa aussi. Bergwijn pourquoi pas, Verratti pourquoi pas aussi. Après on a Jorginho qui est moins intéressant, Palois, etc. Donc du coup sur le banc aussi on a quoi, Hernandez, oui évidemment Hernandez et Adama Traoré qui peuvent être intéressants. Donc ça fait 5-6 petits joueurs sympathiques à packer, pourquoi pas. Et puis on a voir pourquoi pas dans les récompenses Fut Champion en carte rouge. En tout cas on va commencer tout de suite à les récompenses Rivals les amis. Donc j'ai pris les récompenses non échangeables, excusez-moi pour le téléphone. Et donc on va avoir deux packs à 50k et deux packs à 30 000 crédits. Donc on espère avoir du lourd, on commence de suite avec le premier pack à 30 000 crédits. On va commencer avec celui-ci, non quoique celui-ci je sens bien. Allez 3, 2, 1. On appuie et on veut, l'objectif c'est d'avoir au moins une animation dans au moins un des 4 packs qu'on a. Est-ce qu'on va commencer avec du lourd? Ça me semble plutôt rapide. Non, on va avoir un moins de 83 pour commencer cette petite vidéo et ces premiers packs. On va commencer avec Viviano, le gardien du Sporting Portugal. Est-ce que derrière on a un petit joueur quand même intéressant, pourquoi pas? Ça sera Kelta Baldé derrière et Mukele notamment. Donc bon, c'est pas ouf, on passe au prochain. Allez, on va ouvrir le deuxième et donc déjà le dernier pack joueur électrum rare, 6 joueurs argent, tout sera, on peut avoir du lourd. C'est parti les amis, petit nos pack, 3, 2, 1, on appuie et allez, s'il vous plaît, on veut du lourd, il faut que ça soit lent, on veut un plus de 83, ça me semble rapide encore, quoique, oui, c'est un peu trop rapide encore une fois. Et pour l'instant on n'a même pas de joueur au-dessus de 83 de général, voire même de 82 ou 81. En tout cas dans ce pack là on aura Luis Gustavo, on aura quand même Gandungbia qui est une carte très intéressante. Comme d'habitude, en plus il avait 4 étoiles, j'ai cette technique, je savais même plus. Welcott qui est en version flashback, que je ne ferai pas parce que je trouve pas ça intéressant. Et sinon derrière on a Boateng, Kouanate, on a Mackay Steven qui a toujours ses 5 étoiles, j'ai cette technique. Allez les amis, on va ouvrir donc maintenant les packs à 50 000 de nos récompenses Rivals. Allez, dites-moi que j'ai bien fait de prendre des récompenses non échangeables si c'est pour avoir du lourd maintenant. Allez, celui-ci, j'appuie et je vais reposer la manette. Allez, on veut que ça soit lent, il nous faut un plus de 83 quand même dans ce pack. Ok, en plus de 83, je ferme les yeux pour pas voir si c'est une animation ou pas. Ça sera ta français, ça sera un décès, ça sera Palois boost. Ok, ok, pas mal. C'est un boost, premier boost de la vidéo, même si les images animées sont flinguées sur les packs. D'ailleurs, il faudrait qu'il corrige ça. C'est notre premier boost de la vidéo et notre premier joueur sympathique, Nicolas Palois. J'avoue, quand tu vois DC français, t'espères évidemment avoir pourquoi pas Varane ou l'anglais. Mais bon, on a eu Palois, on va pas être déçu. C'est quand même un petit boost et même si c'est invendable, ça peut toujours servir pour un défi. Que ce soit un défi Timo, un défi objectif ou un SBC. Et derrière, on a quand même pas n'importe qui. On a Timo Werner qui coûtait à peu près 60k au début du jeu. Donc je sais pas s'il vaut toujours cher. Après, hein, c'est de l'invendable, donc bon, je vais pas le vendre. Il coûte toujours aussi cher, donc c'est très bien. Timo Werner, 50k, je peux pas le vendre évidemment. Mais ça me fait un super sub sur le banc. Ça, c'est un plaisir, même si c'est pas un joueur avec lequel j'aime beaucoup jouer. Il a une très belle carte, donc je pense cette année qu'il peut faire, qu'il doit faire très très mal. En tout cas, je suis très content de l'avoir. Et avec, on a Thorgan Hazard. Donc c'est un pack plutôt très correct même, un pack plutôt sympa, je suis plutôt content. Werner, même si c'est pas du 86, ça le vaut au niveau du prix, on peut dire ça comme ça. Et donc c'est bien sympa de l'avoir eu. Allez, on passe au dernier pack, Rivals. Allez, après avoir eu Werner et Palois, maintenant on veut encore du lourd, s'il vous plaît. On veut un plus de 86, c'était l'objectif de ces packs Division Rivals. Allez, on va faire un menton pack pour celui-ci. 3D1, dernier pack qu'on récompense Rivals, et on veut du lourd, s'il vous plaît. Allez, il faut que ça soit lent, on veut que ça soit lent. Ok, c'est lent. Je ferme les yeux, j'aime pas voir si on a une anime ou pas. Allez, un Espagnol. Allez, un MDC. Ça sera, il a ramené dit malheureusement 83 cette année. Bon, le dernier pack à 50k est dégueulasse. Il faut se le dire, c'est dégueulasse. Il a ramené en meilleur joueur, c'est nul. Et derrière, on a rien du tout.
Le joueur le plus cher potentiellement du pack, ça doit être Parolo, ou peut-être il a Ramendi encore. Ouais, pas de joueur très intéressant, donc c'est dégueulasse, on passe maintenant à récompense de champion. Reste, les récompenses Revolves ont été quand même assez mitigées, il faut le dire. Allez, découvrons ensemble mon classement à Fit Champion. Bon, moi je le sais déjà, mais bon, vous allez voir. Si j'ai pas fait trop de vidéos sur Fit Champion, c'est tout simplement parce que j'ai fait un score de merde. Voilà, pour moi c'est nul. J'ai fait hors 1, j'ai fait 20 victoires pour 9 défaites. Et je crois que j'en ai donné une à un mec à la fin. Voilà, j'ai joué le dernier match et je lui ai donné la victoire. Du coup, on va quand même récupérer 2 joueurs non vendables, enfin en carte rouge, avec un choix sur 4. 2 packs à 100k, 50 000 crédits et qualif assuré pour le prochain fut champion. Donc bon, ça reste quand même assez correct, les amis. Au niveau merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais voir je peux pas aller voir les, voilà, c'est ça que je voulais aller voir, parce que depuis tout à l'heure j'ai ah oui d'accord, j'ai progressé. Bon, ça on fera ça plus tard, parce que j'avais vu que j'avais augmenté dans les saisons objectifs, mais je pouvais pas aller voir tout simplement ce que j'avais eu comment dire ça dans les enfin ce qui m'avait permis d'augmenter dans les objectifs. Enfin bref, c'est pas la question. On va ouvrir nos packs, nos premiers cartes rouges cette année sur FUT, première carte en vidéo d'ailleurs aussi. Allez, on espère avoir du lourd. Je vous ai dit, voilà, je prends n'importe quel joueur qui m'intéresse, il y en a beaucoup, donc allons-y. Allez, premier choix sur 4, espérons du lourd, c'est parti, on appuie. Ok, bon, dégueulasse. Ok, ça commence comme l'année dernière, on n'a rien du tout pour commencer. On va prendre Aitor, hein, même si, hein, c'est franchement, ils sont tous flingués, ils sont tous inutilisables. On a Sané, mais il joue en Ligue 2, à Sochaux, donc on va prendre Aitor pour la note, on va dire ça comme ça. Bon, on va espérer avoir plus de chance sur le deuxième, les amis, parce que pour l'instant, c'est dégueulasse. Allez, nos packs, on y croit, on appuie, et allez. Ok, bon, moi, ça sera Pléa. Ça sera Pléa, notre meilleur joueur dans cette vidéo, en carte rouge. C'est pas fameux, voilà, c'est pas fameux, on va pas se mentir. C'est une carte que, voilà, que je prends, tout simplement, parce que, il a quand même une carte intéressante, même s'il manque un peu de vitesse. Pourquoi pas l'utiliser en numéro 10, ça peut être sympathique. Mais c'est vrai que ouais, ça reste très très mitigé, voire même décevant, ces récompenses fut champion en carte rouge. En tout cas, j'espère, pourquoi pas, qu'on va se rattraper avec donc ces packs à 100k. Pourquoi pas avoir du lourd, cette fois-ci c'est du vendable. Donc là maintenant, ce que je demande, c'est juste d'avoir au moins un joueur à plus de 86. Voilà, j'en ai pas eu tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut le donner, il y est. S'il vous plaît, on veut du lourd, on appuie, premier pack, j'appuie. Et je me retourne. J'ai pas envie de regarder ce pack à 100k. Allez les gars, on veut du lourd. J'espère avoir au moins un joueur à plus de 86 pour ce pack. Allez, 3, 2, 1, je me retourne. C'est une blague. C'est une blague, ces récompenses. Ces premières récompenses fut champion, c'est une blague pour l'instant. Pack à 100k, premier pack à 100k que j'ouvre cette année, hein, si je me trompe pas. J'avais ouvert une fois en draft, j'avais un nu d'ailleurs aussi. Mais là c'est catastrophique. Je pourrais même pas vous dire quel est le joueur le plus cher qu'on a packé, tellement c'est dégueulasse. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus, on passe au dernier pack de la vidéo. Les amis, c'est le dernier pack. Pour l'instant, on a juste eu Palois et Werner. Ça reste correct pour des récompenses Revolves, mais dans les récompenses du champion pour l'instant, c'est une catastrophe. C'est maintenant qu'il faut du lourd. Allez, on y croit. Petit refresh de la boutique. Je sens que ça peut nous porter chance. On appuie, on pose. Allez. On veut du lourd. Évidemment, ça va être lent. Je ferme les yeux, j'ai pas envie de savoir si on a une anime ou pas. Allez, un bon drapeau portugais. AD. Ah, bah voilà la première animation. Là, voilà la première animation, les potos. Voilà le premier 86+. C'est Bernardo Silva. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur joueur à plus de 86 qu'on pouvait espérer avoir. Ça va pas coûter très cher, mais c'est très bien. Et ça rattrape un petit peu ce pack opening et surtout ces récompenses fut champion qui ont été quand même pas ouf. À moins que derrière Bernardo Silva, on a encore un autre joueur qui peut coûter cher. Et ça, on va le voir tout de suite. Bon, on va les voir en doublon. Mais bon, ça m'étonnerait. Ouais, non, on n'a rien. Bon, on aura Bernardo Silva pour ce dernier pack. Son prix, c'est du 30k, même pas. Bon, c'est du 25 000. Ça rattrape un petit peu, mais ça reste quand même des récompenses de champion.
bien mauvaise, hein, il faut le dire, c'est des mauvaises récompenses de champion. Donc bon, on va espérer faire Edith le week-end prochain pour espérer se rattraper, en tout cas ce week-end, hein, parce qu'au moment où, où la vidéo va sortir, vous serez en week-end normalement, et donc le fut champion aura commencé. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus les potos. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même, malgré le fait qu'on n'a pas eu énormément de chance. N'hésitez pas à me soutenir en mettant le petit pouce bleu et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si vous voulez me faire des dons gratuitement, passez dans la description. Il y a le lien vers mon Utip. Vous regardez quelques pubs, c'est gratuit pour vous. Moi, ça me fait un peu d'argent. N'hésitez pas. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine. N'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos. Et bye tout le monde, les potos.